Et on commence donc comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un actif bien particulier, on s'intéresse aux bijoux. Et on va en parler avec Violaine d'Astorg. Bonjour Violaine d'Astorg. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice du département joaillerie de Christie's France. On va parler de bijoux. Est-ce que déjà on peut parler des bijoux comme un placement ou un investissement? Est-ce que c'est un gros mot de dire ça dans le monde des bijoux? Non, pas du tout. Effectivement, les bijoux sont effectivement un moyen aujourd'hui pour une certaine catégorie d'acheteurs de vouloir placer une certaine somme d'argent. Il est tout à fait effectivement aisé de pouvoir placer un bijou, une somme d'argent dans un bijou que vous pouvez mettre dans un coffre qui est facile effectivement à transporter. Nous, on va conseiller nos clients effectivement dans le placement quand ils ont besoin effectivement de faire cela. Après, il y a une différence avec un investissement, je dirais achat-revente, qui lui est effectué par des professionnels du marché qui ont l'habitude de cet exercice, qui achètent pour revendre. Mais on est là toujours pour conseiller nos acheteurs et nos vendeurs dans leurs projets. Donc on les accompagne. On va plus voir ça finalement comme un placement de long terme où on va immobiliser une partie de son épargne et ensuite on va stocker finalement le bijou plutôt que de l'avoir investi sur un produit financier directement. Effectivement, on a des acheteurs qui viennent nous voir avec ce projet et nous, on peut les accompagner, on peut les conseiller, on peut regarder avec eux les prix des signatures de tel ou tel bijou, les prix des pierres de telle ou telle provenance sur les dernières années, étudier avec eux effectivement les prix et les accompagner s'ils ont ce besoin de placement. Effectivement, c'est quelque chose qui peut tout à fait être fait, oui. Alors, vous nous avez parlé de signatures, on va regarder un petit peu ce qu'il faut regarder quand on veut s'intéresser aux bijoux de plus près. Juste avant, vous nous avez dit que c'est des épargnants qui viennent vous voir avec ce projet-là, c'est-à-dire que il y a une démarche en fait proactive de leur part pour dire tiens, j'ai envie d'acheter un bijou. C'est d'abord une démarche de placement ou c'est pour le porter C'est avant tout effectivement pour le porter. D'accord. Quand on a un client qui arrive avec un projet comme ça, on fait le tour de l'exposition avec lui, on regarde le catalogue de la vente et avant tout effectivement on va lui dire qu'est-ce que vous aimez, quelle période vous fait le plus vibrer dans l'histoire de la joaillerie, est-ce que c'est l'art déco, est-ce que c'est l'art nouveau, est-ce que c'est telle ou telle maison de la place Vendôme. Effectivement, l'important si vous voulez est l'achat du bijou, il y a quand même beaucoup d'affect. Alors effectivement, on accompagne nos vendeurs dans leur projet de collection. Est-ce que vous voulez collectionner juste telle maison? Est-ce que vous voulez collectionner telle époque? Et on est là, bien évidemment. Parce qu'il y a des collectionneurs de bijoux, pour le coup, qui collectionnent des dizaines, voire des centaines de bijoux différents. Oui, d'accord. Oui. Il faut savoir qu'effectivement, on a un rapport d'affect dans notre marché, dans le monde de la joaillerie, qui est très important. Que ce soit le vendeur aujourd'hui qui veut vendre effectivement ses bijoux de famille, sa collection, que ce soit un acheteur qui est fan d'une période et qui a envie effectivement de construire sa collection. Ça pourrait être une collection de voitures, ça pourrait être une collection de peinture. Effectivement, il y a des acheteurs qui veulent effectivement contracter une collection avec des années, des styles différents. Mais justement, vous faites le parallèle avec l'art ou les voitures. Là, c'est plus connu, entre guillemets, qu'il y a des périodes, qu'il y a des constructeurs, ou alors, ça c'est pour les voitures, ou dans le monde de l'art, effectivement, qu'il y a différents styles, différentes périodes. On retrouve ça dans les bijoux également, oui, ce que vous nous disiez ça, en fonction des époques ou des artistes. Je ne sais pas si on parle d'artistes, d'ailleurs, dans le monde des bijoux, ou des maisons de joaillerie. Oui, on parle des signatures. On parle des signatures, des maisons de joaillerie, de la place Vendôme, ou des joailliers qui ne sont pas forcément de la place Vendôme, mais qui ont une aura sur le marché qui est très importante. Et si vous voulez, ces signatures sont cherchées par des collectionneurs. Aujourd'hui, vous voyez, Christie's, c'est cinq sites de vente dans le monde, New York, Genève, Hong Kong, Paris, Londres, et on va disperser tout un tas de bijoux qui sont recherchés par une vingtaine de spécialistes qui travaillent vraiment en synergie tous ensemble, et on va, si vous voulez, proposer dans nos ventes, dans le monde entier, ces bijoux. Les bijoux chez Christie's l'année dernière, en 2021, c'est 452 millions de dollars. D'accord. Donc vous voyez, ce sont des ventes finalement qui attirent énormément de personnes. Il y a un chiffre qui m'intéresse particulièrement cette année, c'est de voir qu'on a eu 39% de nouveaux acheteurs. Qui n'avaient jamais acheté de bijoux auparavant. Exactement. D'accord. Et qui ont acheté leur premier bijou en vente aux enchères. Exactement. Et donc c'est intéressant, si vous voulez, d'avoir cette grille du marché. Quand vous regardez, quand vous voulez un petit peu pénétrer ce marché-là, vous voyez finalement l'engouement en fait des bijoux pour les collectionneurs qui cherchent en fait le bijou unique. D'accord. Le bijou ancien, c'est un bijou par essence qu'on ne peut plus trouver sur le marché en tant que création moderne. C'est un bijou qui n'est plus produit. C'est un bijou parfois dont les procédés de fabrication n'existent plus. C'est un bijou qui peut avoir une histoire. Et ce qui est très intéressant aussi dans notre marché,
c'est de voir, si vous voulez, le poids de l'histoire dans le prix d'adjudication d'un objet. Et alors justement, parce qu'on se demande ce qu'il faut regarder, donc vous nous avez parlé des signatures, des maisons, donc si on est Place Vendôme, effectivement, c'est une marque supplémentaire, si je comprends bien. Les bijoux, ça fonctionne comment? Par collection, par exemple, une année, une maison va décider d'éditer 100 ou 1000 bijoux, et ensuite, en fonction de la rareté, ça va jouer sur le prix, ça c'est la première chose. Et ensuite, il y a l'histoire dont vous nous parliez également. Exactement. Finalement, depuis la nuit des temps, les maisons de joaillerie vont designer des collections autour de grands thèmes, autour de moments historiques. Je pense par exemple à cette période, on découvre le tombeau de Toutankhamon en 1924 et on a des maisons comme Cartier, comme Van Cleef qui vont redessiner des bijoux avec cette inspiration, l'égyptomania. Okay. Et par exemple ça, ce sont des bijoux qui sont tout à fait très intéressants pour nos collectionneurs et qui sont souvent finalement recherchés. Et dès qu'on voit un bijou qui passe comme ça en vente, ça se fait souvent un nouveau record. Et puis vous avez la provenance historique. D'accord. La provenance s'il historique. A été porté par quelqu'un de célèbre, exactement, par exemple. Exactement, exactement. On a des collections stars qui ont déjà été vendues par la maison Christie's. Je pense notamment à des noms iconiques en 2011, par exemple, la collection d'Elizabeth Taylor, qui est vendue pour plus de 140 millions de dollars. Si vous voulez, à ce moment-là, on voit finalement le poids de la personne qui a porté le bijou et qui va finalement, ça va avoir un impact finalement direct. On a aussi eu en novembre dernier, imaginez de vendre aujourd'hui les bracelets, une paire de bracelets appartenant à Marie-Antoinette. D'accord. Le poids de l'histoire vendue sur ces bracelets. Mais ils venaient d'où alors? Ils étaient allés de collection en collection. Exactement. Et finalement, ils s'étaient retrouvés à un moment dans une vente aux enchères. Exactement, par descendance et effectivement transmis de génération en génération. Des bracelets estimés 2 millions qui sont vendus plus de 8 millions de dollars. Vous voyez le poids de l'histoire et l'engouement des acheteurs. Et c'est ça qui est intéressant. Et notre métier, si vous voulez, c'est de conseiller les clients, de conseiller les vendeurs dans la vente de leurs biens. Les biens, finalement, sans jeu de mots, les biens les plus précieux pour eux, bien évidemment. Et si vous voulez, on travaille toujours en équipe, on a une synergie entre tous les spécialistes, on a une vingtaine de spécialistes dans le monde, et l'idée c'est de trouver à chaque fois ensemble la bonne stratégie pour notre vendeur. Où est-ce qu'il faut vendre? À quel moment il faut vendre? La bonne stratégie. Parce que, alors effectivement, on va se poser cette question peut-être de savoir si vaut mieux vendre à Paris, à Hong Kong, à Londres ou à New York en fonction du bijou. Juste avant, on n'a pas parlé de pierre. Alors, exactement. Et la pierre, ça va jouer aussi également, j'imagine, dans la cote du bijou. Bien évidemment. Là, effectivement, on parlait des bijoux avec des provenances. Mais aujourd'hui, l'extraction, si vous voulez, l'origine des pierres est extrêmement importante. Quand vous pensez à un saphir birman, à un saphir du Cachemire, à des pierres aujourd'hui qu'on ne peut plus vraiment trouver, c'est effectivement une émeraude de Colombie. Il y a des pierres qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Oui, il y a des pierres qu'on trouve beaucoup moins facilement aujourd'hui, qui représentent un pourcentage infime des pierres qu'on peut encore trouver. Et donc, effectivement, c'est des pierres dont le prix au carat, si vous voulez, va énormément augmenter. Il faut savoir que quand vous expertisez une pierre, vous parlez au prix au carat. Vous voyez, vous pouvez estimer, par exemple, un saphir, 5 000, 10 000, jusqu'à 100 000 dollars du carat. On a des records comme ça pour des pierres. Et on va, si vous voulez, appréhender l'estimation d'une pierre en fonction de sa grosseur, bien évidemment, de son origine, et puis en fonction de sa pureté, de sa qualité, de sa couleur. Est-ce que c'est une couleur qui est très importante, est-ce que c'est une couleur qui est très vive, est-ce que c'est une pierre qui a des inclusions. En fait, il y a tout un tas de paramètres qui vont nous permettre en fait de définir la parfaite estimation d'un objet qui est présenté par un vendeur pour futur acheteur. On est finalement là pour transmettre un bien entre un vendeur et un acheteur. Et alors, pour ça, il y a des stratégies, du coup, c'est ce que je comprends bien. Il vaut mieux vendre à certains endroits plutôt qu'à d'autres ou à certains moments de l'année. C'est ce que j'ai compris dans ce que vous nous disiez. L'idée, en fait, et je pense que la force du département bijoux de Christie's et qui, bien évidemment, qui se multiplie pour toutes les autres spécialités de la maison, c'est de créer une synergie entre les différents directeurs de département, les différents spécialistes de la maison, c'est-à-dire que plus de 20 spécialistes qui parcourent le monde pour trouver des bijoux, pour conseiller des clients c'est ça, dans la vente. Trouver les bijoux à vendre d'un exactement. Côté et les acheteurs sont nombreux à attendre ou pareil, il faut trouver les acheteurs capables de dépenser plusieurs millions pour un bijou ? Bien sûr, les acheteurs sont nombreux. Bien sûr, évidemment, les acheteurs sont nombreux. On a effectivement développé ces ventes online qui nous permettent de toucher de nouveaux acheteurs. Mais je vous donnais ce chiffre tout à l'heure de 39% de nouveaux acheteurs. Ça vous montre bien, si vous voulez, l'engouement qu'on peut avoir aujourd'hui bien pour sûr. Le bijou ancien. Et pour revenir vraiment, si vous voulez, à cette stratégie de vente, on va vraiment communiquer tous ensemble. On va s'asseoir autour d'une table, on s'appelle et effectivement, on se dit
dit, voilà, j'ai cette pièce, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux la vendre à New York? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux la vendre à Hong Kong? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux la vendre à Genève? Mais ça change quoi concrètement de la vendre dans une ville plutôt qu'une autre? C'est pour proximité par rapport aux collectionneurs qui y sont présents? Exactement, on essaye de trouver la meilleure stratégie en fonction du moment du marché, en fonction de la proximité des acheteurs qui sont intéressés. On va vendre en Asie des grandes pierres de couleur, des diamants avec des très forts caractères. Parce que les demandes ne sont pas les mêmes du coup dans les régions du monde par exemple? C'est ça qui est très intéressant si vous voulez, c'est de voir ça. Aujourd'hui, on a à peu près 7 ventes avec un commissaire-priseur, une vente si vous voulez en direct. En plus, on a des commissaires-priseurs chez Christie's qui sont assez très forts dans cet exercice, qui emportent la salle, qui emportent les enchères. C'est un moment très important. Ces ventes physiques, si vous voulez, c'est le moment si vous voulez où vous prenez un petit peu le pouls du marché. Vous voyez à New York, à Genève, à Hong Kong, s'il y a de la demande et s'il y a de la réceptivité, effectivement. C'est très important. Et puis après, vous avez à côté, de manière totalement complémentaire, une vingtaine de ventes online où vous pouvez proposer à des acheteurs du monde entier tout un tas de bijoux. Aujourd'hui, on vend à peu près 7000 bijoux online et un petit peu plus de 1100 bijoux, vous voyez, dans les ventes physiques avec un commissaire-priseur. Donc, vous voyez et finalement la différence. Je rebondis là-dessus et ce sera ma dernière question. 7000 online et 1000-1500 physiques, les montants sont les mêmes achetés online ou physiquement, où on voit peut-être online les montants seraient moins élevés et qu'on se déplacerait pour acheter des bijoux de très grande valeur pour le coup qu'on voudrait voir? Effectivement, les stars, je dirais, vont effectivement passer dans ces ventes finalement physiques. Physique, oui. Comme ce que je vous disais, c'est des moments qui sont extrêmement attendus par le marché. On vend online, si vous voulez, des pièces aussi à des millions de dollars. On a vendu déjà un diamant plus de millions de dollars. On a vendu un collier de Jean Fouquet plus d'un million de dollars. C'était d'ailleurs à Paris en juillet dernier. Donc on peut effectivement vendre des bijoux effectivement online à des forts montants. Et c'est intéressant, si vous voulez, pour nous, cette complémentarité des ventes, de voir ces bijoux sublimes, ces diamants sublimes, c'est parfois ces bijoux effectivement iconiques vendus dans ces moments très importants du marché où tous les acheteurs vont se retrouver physiquement. L'intéressant avec, si vous voulez, ce qui est intéressant avec les ventes online, c'est que vous allez dépasser les frontières. Les frontières s'abaissent, il n'y a plus de fuseau horaire, tout le monde peut acheter, que ce soit dans un acheteur à New York, dans une vente de Paris, un acheteur à Hong Kong, oui, dans une vente de New York. Effectivement, peut avoir accès. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Violaine Bastor. Je rappelle que vous êtes directrice du département joaillerie de Christie's France. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.